Dimanche 23 juillet 2023, dernier jour de la cérémonie rituelle ayant consacré la sortie du couvent de 10 nouveaux initiés à la divinité Mamida à Atiémé, chez Sa Majesté Togbeyedi. Il s'agit de Edan Plontiter, autrement dit dressage de la table sacrée de Mamida. On t'a bené à Souwea, à Souwe Mudafanao. Né Domo Leia, et Dome Mudafanao. Né Bendo Leoa, et Nom d'Agnonao. Donc, nous, on l'a compliqué. Même les Gadjalomeno et Gamda Noteo. Donc, il faut que destin, alors, lien que Dieu soit aimé, ou en lien avec cérémonie, c'est pas que la ouais, la trois ou non, la non, on a mais oh. C'est pas que la ouais, la trois ou vaudoussi, un autre de Jonuto Modio. Les adeptes en file indienne font leur apparition en public. Mais avant, le guide spirituel suprême du Temple international de Mamida d'Atiémé et président de la CNCVB Racine d'Atiémé, Togbeyedi, a invoqué les ancêtres. Et donc, Plontiter est une étape importante dans le processus d'initiation des nouveaux adeptes. Le rituel consiste à manger de la nourriture et des fruits. Prendre de la boisson. De même que de fumer de la cigarette. Vendredi et mito veille, c'est parce que mille cérémonies n'a mélo, mille de Hunsuna mélo et mille de Wabe Bessio le Wanti, les de Wabe nous vendent le Wanti et nous que Wabe Yemea, on la pomme Wabe Mondi et Mola Hunao, et Timmy les filles sont grétoya. Trop le vieux m'a 11 mais à mes 10 et va tomber. On a comme d'habitude, moi je suis bon, moi je vais gagner ton gars. Et donc à nous qui avons habitude à donner des complications, donc à nous qui avons eu des fafales. Ce rituel, au-delà du caractère amusant qui s'observe, il est déterminant. Il marque la fin de la phase publique du parcours initiatique des adeptes. La cérémonie est là de double bleu et d'yon. Et où ni mi manado a dit que je vais vous voir. Et là, et si on a dit que je vais vous voir, on va vous voir.
fora do nyeri metang dendo fitro lololo do fio me gbe azoro gbochele wa ifire vole eje iyo miji nta do fio nuero de mi nuero de mi le eje gbe si soji ble 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 do to edo gbe si soji me igbe do ikuna na nya agmada yo nwe no sa nwe igbe do ikuna na nya agmawo iyo mi do portable ji bo bonami agma o fichela do si sa do mi do to ayo hunwe ya onro do fi onro do me da ho si bo nyinyo. J'ai passé de très bons moments et je suis un peu déçue de partir demain. Mais franchement, tout s'est très bien passé. Le professionnalisme, à l'écoute, ils sont à l'écoute et on est vraiment comme à la maison. Donc, j'ai pas eu l'impression d'être dépaysée. Ici, je me suis sentie chez moi. De nombreuses personnes confessent que le haut dignitaire Togbe Yedi connaît son travail. Le savoir-faire, la vérité et la compréhension sont quelques-unes de ses qualités. Raison de plus pour rassurer les sceptiques d'aller à la rencontre de ce jeune dignitaire, grand gardien de la tradition au Bénin, précisément à Atiémé, dans le département du Mono.